Sortie de promotion au groupe Serco, cette école supérieure a mis sur le marché de l'emploi plus de 100 diplômés. Ils sont titulaires d'une licence ou d'un master. La cérémonie de sortie officielle s'est déroulée hier dans la salle des banquets de Ouaga 2000. Reportage Karim Namwano. Ces admis auréolés de leur master reçoivent leur parchemin qui couronne 5 années d'études. C'est le même rituel pour leurs cadets qui, eux, sortent avec la licence après 3 ans de dur labeur au groupe Serco. Le groupe Serco, une école, un réseau, une marque, cet atelier, durant les années d'études, a inculqué à ses étudiants, en sus des modules académiques, des valeurs. Nous avons insisté sur 4 types d'hommes. Le premier, c'est l'individu qui doit se connaître, ses limites, ses valeurs. Et nous avons insisté sur des cours comme l'ethnométhodologie, la programmation neurolinguistique. Nous avons aussi voulu former un manager, donc qui sait organiser une réunion, animer, par exemple, faire de la prospective, gérer un conflit au sein d'une organisation, faire de la prospective, la créativité, l'innovation. Nous avons aussi voulu former les chercheurs, parce qu'un étudiant, même quand il arrive au niveau master, doit pouvoir apprendre de ses expériences. Et donc, des cours sur l'épistémologie, sur la méthode de rédaction de mémoire, de recherche. Et nous avons aussi formé le spécialiste, parce que l'étudiant doit connaître son métier. Les filières d'études des lauréats vont de la communication, des finances, du management, du marketing à la gestion, à l'informatique et au droit des affaires. Professeur Georges Anissé Oudraogo est leur parrain, persévérance est leur nom de baptême, espérance leur leitmotiv. Je viens de décrocher un master en management de projets et des organisations et j'avoue que je suis très content de cela. Aussi, j'aimerais inviter tous mes camarades à se mettre au service de la nation à travers l'intégration des entreprises déjà sur la place et, ou si possible d'en créer d'autres. Après le master, je compte continuer jusqu'à l'expertise comptable. Donc je compte poursuivre mes études pour faire l'expertise comptable et maintenant aller sur le marché de l'emploi. Le groupe Serco qui revendique un taux d'insertion professionnelle pour plus de 60% de ses lauréats croit aux chances des 102 nouveaux diplômés. Ces derniers n'en demandent pas mieux pour jouer pleinement leur partition dans le développement économique du Burkina Faso.